soir, on est à l'Université Laval pour le troisième café de bioéthique. Les deux premières étaient organisées à Montréal. Et comme avec les autres événements, le but, c'est un but ludique. On vise une place interactive. On a conçu des panels dynamiques. Il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a pas de longue présentation plate à mort. Non, le but, c'est d'échanger entre les panélistes et entre vous, l'audience. On vise une interaction dynamique. Également, le but de ce travail, avec cet échange dynamique, c'est de construire du contenu vidéo qui va être par la suite utilisé dans le développement de deux cours en ligne qui sont actuellement en train d'être terminés. Donc, il y a une valorisation de cet échange. Vos questions, vos contributs et à le développement du nouveau contenu pédagogique qui va être super utile pour l'Université de Montréal, pour l'École de l'Université de Laval et pour d'autres. On vise une interaction dynamique. Donc, moi, je m'appelle Bryn Williams-Jones, je suis directeur des programmes de bioéthique à l'Université de Montréal. C'est le troisième événement qu'on organise sur cette grande thématique du citoyen en relation avec les innovations de technologie. Et sans rentrer en plus de détails, je vais passer la parole à ma collègue qui est de l'Université Laval et qui va partager la soirée et animer les discussions. Moi, je vais être dans l'audience avec le microphone rouge pour assurer qu'il y a cet échange dynamique. Eh bien, merci beaucoup, Bryn, pour cette introduction-là. Alors, le thème de ce soir pour ce café bioéthique, c'est le citoyen comme acteur de santé publique, défis et opportunités. Donc, la santé, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et avec moi, j'ai trois conférenciers, trois panélistes dynamiques que je vais vous présenter. Et vous allez voir un peu de quel horizon ils proviennent. Et le but, c'est vraiment de réfléchir justement à ces questions. Alors, mon premier conférencier à ma droite, c'est Yann Kersten, qui est chercheur au Centre de recherche du CHUM. Il est professeur agrégé au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il est titulaire de la chaire de recherche appliquée en intervention urbaine et santé des populations des IRSC et ASPC. suivi de Mme Karine Lefeuvre, qui est vice-présidente du Comité consultatif national d'éthique en France. Elle est docteur en droit et professeure à l'École des hautes études en santé publique, Rennes-Paris, sur les thèmes de droit et éthique, de la protection des personnes et de la démocratie en santé. Et ma dernière conférencière, professeur Alison Marchildon, qui est professeure agrégée au département de philosophie et d'éthique de l'Université de Sherbrooke. Ses travaux de recherche portent sur la responsabilité et l'éthique des activités économiques. Donc, il y a des questions de droit, il y a des questions d'éthique, il y a des questions de participation citoyenne qui vont traverser justement cet échange avec vous. Donc, juste une petite ouverture pour vous expliquer un peu le contexte. Le citoyen est actuellement un maillon important en santé publique. Le rôle du citoyen en santé publique a évolué. Il passe ainsi d'usager ou de cible des interventions et politiques en santé publique à celui d'acteur actif. L'implication citoyenne peut être consultative, c'est-à-dire d'aller chercher une opinion publique, ou participative, c'est-à-dire de s'impliquer directement dans un processus de gouvernance ou dans un projet de recherche. Et ça soulève toutes sortes de questions éthiques lorsque, justement, le citoyen peut être appelé à s'impliquer dans ses différents rôles de participation. Alors, pour mettre la table, si j'ose m'exprimer ainsi, je vais lancer une première question à mes trois conférenciers. Quelle est la place actuelle du citoyen dans notre système de santé publique? Alors, je vais laisser tout de suite la parole à Yann pour qu'il nous parle. Est-ce que les citoyens ont une place dans le système actuel? Merci pour cette introduction et merci pour une belle question qui est quand même assez large. Donc, je vais laisser un peu de temps sur les trois heures pour les autres de participer à la réponse. Mais pour dire qu'effectivement, je dirais qu'il y a quand même, bien sûr, il y a une place importante pour le citoyen en santé publique. Mais le patient de la santé publique, c'est la population en général.
Donc, je pense que le premier constat que je ferais, c'est de dire que, étant donné que notre patient, c'est la population, c'est l'ensemble des citoyens qui sont donc ciblés par les actions de santé publique, les actions de promotion de la santé, les actions de prévention. Et que, au cœur de la démarche de la santé publique et de la santé des populations, se pose aussi la question des inégalités sociales de santé. Et donc les gradients qui sont observés en santé dans beaucoup de domaines de la santé entre des groupes de population appellent bien sûr à la participation de ces 10 groupes et aussi de groupes de population qui sont peut-être plus difficiles à atteindre et qui doivent jouer un rôle important dans ce processus. Alors surtout dans une démarche où on a de plus en plus accès à des données de nos citoyens, la question est effectivement de savoir quelles données, quels citoyens participent à ces nouvelles démarches actives de santé publique. Oui. Alors justement, quand vous avez parlé de participation, j'interpellerai Mme Alison Marchildon pour dire à quoi pourrait ressembler cette participation, mais d'un point de vue éthique. Comme Yann vient de le soulever, ça soulève certaines questions. Alors une participation au plan éthique, ça ressemble à quoi lorsqu'un citoyen s'engage? Oui, je vais... D'accord. Donc, je vais le répéter, je ne suis pas une spécialiste en santé, mais je pense que la réflexion éthique peut être une réflexion relativement transversale. Je pense que quand on parle de nos organisations, de nos institutions, de domaines d'intérêt commun ou public, comme quand il s'agit de la santé, les questions éthiques sont au cœur de ce questionnement-là. Et éthique, ici, je vais l'entendre dans un sens large. Donc, pas seulement des questions de confidentialité, de consentement, hein, c'est ce qu'on entend souvent quand on parle d'éthique en santé, mais je pense qu'il faut ouvrir cette perspective-là pour voir justement l'éthique comme un processus qui serait presque une méthode, en fait, une façon de s'assurer que sur des questions, comme les questions de santé qui nous interpellent et sur lesquelles les gens qui sont interpellés doivent pouvoir s'exprimer, donner leur opinion, parler de leurs intérêts, de leurs besoins, à ce moment-là, on va le prendre dans une perspective de participation, donc des personnes, comme on le ferait dans toute organisation, toute institution, où est-ce qu'on veut justement réussir à trouver des façons de faire, des solutions à nos problèmes qui vont être satisfaisantes pour les personnes qui sont impliquées. Et en santé, bien, les personnes impliquées, ce sont nous tous. Donc, évidemment, comme citoyens et comme patients, on a le double rôle ici. Et donc, c'est drôlement intéressant. Et je pense que donc, les questions, quand je vais intervenir donc, sur la question de l'éthique, ça va être vraiment dans ce sens très large-là. C'est-à-dire, est-ce que les personnes qui sont interpellées par ces questions-là ont la possibilité d'exprimer ce qu'ils trouvent important pour eux dans ce contexte-là et d'échanger avec les autres personnes là-dessus? Donc, pas juste de rester dans une perspective individuelle de « j'exprime mes besoins », mais aussi de voir est-ce qu'on est capable de faire ressortir ensemble des façons de faire qui vont convenir mieux à un ensemble d'acteurs, en fait à l'ensemble des acteurs qui sont impliqués. Donc, c'est peut-être dans cette perspective-là que je vais aborder donc, la question de l'éthique dans le réseau de la santé, donc comme une question de participation, d'inclusion dans les débats pour être capable de trouver ensemble donc, les valeurs ou ce qui est important et ce qui devrait guider nos pratiques dans ce secteur-là. Donc, on est ici dans une vision d'éthique pratique, hein, une éthique en situation, une éthique qui permet justement de délibérer sur ce qui fait sens. Ma question s'adresse maintenant à Karine. Est-ce que, Karine, au niveau de la France, on est dans cette même vision-là ou est-ce que les rapports sont plus judiciarisés? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette participation-là citoyenne? Puis peut-être un mot par rapport à cette vision-là très québécoise. Alors déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que je suis ravie d'être ici, voilà, outre-Atlantique, et de croiser justement les regards et les expériences. Ça, c'est merci Brine et puis merci à toutes les équipes. Alors, participer, c'est prendre part à,
Si on regarde l'étymologie du mot, alors il y a une chose qui est absolument frappante en France en ce moment, enfin en ce moment et depuis les derniers mois, je crois que l'actualité ne vous aura pas échappé, c'est que la question de la participation citoyenne, c'est une question bouillonnante. On est en pleine actualité. Alors l'épisode très, très marquant des Gilets jaunes a fait que, on a beaucoup entendu parler de manifestations. Manifester, c'est exprimer aussi d'une certaine façon, hein, parfois de façon voire très violente, mais c'est une forme d'expression très forte. Et qui en fait s'est inscrite dans un mouvement qui existait déjà dans le champ de la santé, effectivement, mais là c'est une dimension beaucoup plus large sur la participation, le souhait de participation des citoyens sur plein de sujets. Vous avez forcément aussi entendu parler du fameux grand débat en France sur plusieurs sujets d'actualité, sur les questions fiscales, sur la place de l'État, sur les questions économiques, sur les questions de citoyenneté et de démocratie. Il y avait un thème vraiment là-dessus. Et donc le président de la République, le gouvernement et toutes les politiques ont interpellé du coup les citoyens français pour qu'ils viennent s'exprimer sur ces questions-là. Et si on fait, ce qu'on peut retirer de cette expérience qui n'est pas terminée, mais quand même à ce stade-là, c'est qu'il y a un changement de position quand même et une attente très forte des citoyens français sur la possibilité de s'exprimer, mais aussi d'être entendu. Bon, je pense qu'on en reparlera ensuite sur les risques et la bonne méthode à choisir, mais c'est quelque chose de marquant. Et puis, dans le champ de la santé, effectivement, dans les textes des dernières années, on voit que les choses se structurent de plus en plus pour une expression à titre individuel, mais aussi à titre collectif des représentants d'usagers, mais vraiment dans le champ de la santé. Donc c'est un mouvement global de participation citoyenne avec des déclinaisons tout à fait intéressantes et pertinentes dans le champ sanitaire, et social et médico-social. Vous avez dit un mot quand même assez important, si cette participation-là peut être entendue. Alors, ma question s'adresse aussi à vous trois. Peut-être, Yann, pour commencer, comment on peut mettre en évidence cette participation-là dans le système de la santé? Et est-ce que c'est juste, est-ce que ça donne des résultats, participer? Parce que parfois, le citoyen veut participer, veut s'engager dans un processus, ici, en l'occurrence, en santé, dans son protocole de soins, par exemple. Mais il est plus passif. Quel est le rôle qu'on peut lui attribuer? Comment on peut mettre en valeur cette participation-là? Non, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que, comme la santé publique, la santé des populations, c'est avant tout la santé des communautés. Et je dirais qu'ici, au Québec, on a quand même la chance d'avoir une dynamique communautaire très forte. Et donc, il y a un terreau très intéressant pour une participation communautaire aux questions de santé publique. Et bien sûr, dans ma perspective et dans la perspective de la promotion de la santé, on agit surtout sur les déterminants de la santé. C'est la santé dans toutes les politiques, donc c'est les actions sur le domaine du transport, sur l'urbanisme, sur le verdissement, etc. Donc, il y a toutes sortes d'actions de santé publique qui s'inscrivent en fait dans la communauté pour améliorer la qualité de vie des milieux qui, à leur tour, peuvent influencer positivement la santé. Donc, le débat de l'implication citoyenne et communautaire, je pense qu'il peut se jouer là, à cette interface, à travers un dynamisme communautaire qui interpelle les populations et les décideurs locaux, à travers tous les paliers, en fait, à la participation, je dirais, d'un avenir meilleur. Donc, c'est peut-être un peu comme ça que je vois ça. Et je pense qu'au Québec, peut-être contrairement à la France, où il y a aussi toutes sortes de dynamismes, notamment au niveau associatif, mais on a une richesse communautaire et un historique participatif aussi, qui, je pense, donne un contexte assez favorable à, je dirais, une participation citoyenne et communautaire aux enjeux de santé publique. Tout en sachant qu'il y a quand même bien sûr des enjeux de pouvoir non négligeables qu'il faut pas oublier. Exact. Ben justement, je prends la balle au bon. Justement, des enjeux de pouvoir, Alison, j'aimerais ça vous entendre parler de ça parce que pour participer, ben, ça prend des ressources, ça prend des moyens.
Puis, est-ce que cette participation, elle inclut participer au processus décisionnel? Parfois, ça peut être difficile quand on est avec des experts en santé qui détiennent une certaine vérité sur des protocoles de soins, etc. Donc, toute cette notion-là d'enjeu de pouvoir et éthique, comment vous voyez ça? Mais en fait, c'est intimement lié. Hein? On a tendance des fois un peu à séparer ces questions-là. On ne peut pas voir les questions d'éthique séparément de ces questions-là de pouvoir, parce qu'effectivement, s'il y a des énormes inégalités de pouvoir, comment peut-on penser qu'on va décider ensemble, hein, qu'on va pouvoir s'exprimer de façon convenable si on n'a pas le pouvoir d'agir qui va avec? Donc, c'est fondamental. Je pense que ça passe par plusieurs choses. Donc, il y a des facteurs qui sont plus formels, hein, comme les structures décisionnelles qui doivent être là aussi. Donc, quand, par exemple, on le voit, hein, à chaque fois qu'on a un changement de gouvernement, il y a souvent des mouvements. Hein, donc, soit on décentralise ou on recentralise, bien, évidemment, ça a un impact important à ce niveau-là, parce qu'il faut que les instances soient là pour que, Yann le disait, pour qu'il y ait à tous les paliers, hein, de la participation et de la prise de décision, mais il faut être capable de décentraliser ou de partager ce pouvoir-là. Donc, dans un premier temps, ça prend un partage formel, hein, au niveau dans les structures. Dans un deuxième temps, mais ça va prendre au niveau plus informel, ou en tout cas peut-être quelque chose qu'on voit moins, c'est qu'il faut outiller les citoyens. Donc, on va parler de capacitation. Hein, et ça, en éthique, ça nous intéresse beaucoup aussi. On n'est pas juste dans les questions on essaie de contrôler, hein, les choses, de mettre des balises, mais on est aussi beaucoup dans une logique beaucoup plus positive, préventive, où est-ce qu'on essaie, dans le fond, de donner aux gens ou d'aider les gens à développer les outils qu'ils ont besoin. Mais ça, c'est pas simple. Ça part de très loin. C'est une question d'éducation, c'est une question d'invitation à la participation. Il faut que les personnes aient les informations, les ressources pour le faire. Et ça, on est loin. Je pense que effectivement, au niveau du Québec, on a peut-être un certain dynamisme communautaire, mais en même temps, on est encore loin d'une situation idéale en termes de participation des personnes dans les différentes instances. Hein. On n'est pas nécessairement toujours, on se sent pas toujours autorisé d'aller parler, d'aller s'exprimer, alors que pourtant, les citoyens, les patients ont ce qu'on appelle un savoir expérientiel. Hein? Et ce savoir expérientiel-là n'a pas moins de valeur que le savoir scientifique des experts. Or, ça, c'est une question qu'il faut valoriser au niveau de la société. Et je pense que là, on n'est pas encore rendu assez loin à ce niveau-là. Donc, ce savoir expérientiel-là, c'est-à-dire le fait qu'on a vécu des situations et qu'on est capable, donc, d'en parler de façon intelligente et avec une certaine réflexion sur cette question-là. Donc, je pense que, oui, il faut travailler au niveau des structures, hein, il faut multiplier les instances où est-ce qu'il y a ce genre de discussion-là, où est-ce qu'on prend les décisions, mais aussi, donc, il faut pouvoir capaciter nos citoyens, et ça, bien, ça commence à la petite école. Oui. Justement, sur cette capacitation, je pense qu'on a tous vécu à un moment donné où le médecin, où on a un proche ou un ami qui, à un moment donné, a eu un verdict et le médecin a tenu un discours très, un discours d'expert où on reçoit l'information. Donc, le citoyen est très passif, là, hein, et donc ne réagit pas à ça. Donc, on a souvent de ces histoires-là. Moi, je me demandais, en France, quelles étaient les logiques d'action, justement? Est-ce qu'il y a des moyens, il y a des ressources qui sont données aux citoyens pour, justement, être dans une posture, si on veut, de dialogue avec ce savoir expert versus ce savoir d'expérience, ou même qu'on ne comprend pas ce que le médecin dit, et donc plus difficile de s'engager dans un processus? Alors, comme je le disais, c'est peut-être les patients qui réagissent. Oui, conscient. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, le principe de la participation, il est dans les textes, il est dans les esprits.
Mais le défi, c'est de le rendre effectif. C'est de passer à la phase. Voilà. Alors, je vous donne juste des exemples quand même assez frappants sur les deux dernières années où vraiment le mouvement s'est amplifié, où dans les instances de grandes institutions en France, on a constitué des comités citoyens, par exemple. Donc, voilà, un cadre formel qui est posé. Avec, dans la Haute Autorité en Santé, un comité qui s'appelle un comité de l'engagement, qui a été créé il n'y a pas très longtemps, inspiré d'ailleurs d'exemples québécois, entre autres, hein, parce qu'on sait bien que vous êtes précurseur sur pas mal de choses dans ce champ-là, notamment pour les patients experts dans les binômes, dans les facultés de médecine. Mais dans ce comité de l'engagement, il y a la moitié de représentants d'usagers, d'associations d'usagers, et puis la moitié de représentants de professionnels. Donc, on est bien ici sur une notion de co-construction. Chez le défenseur des droits, il y a aussi des comités avec des usagers, des citoyens qui viennent s'exprimer. Il y a le comité économique, social et environnemental qui comporte toute une assemblée de citoyens. Voilà, donc tout ça, c'est en train de se formaliser, de s'institutionnaliser. Et au niveau du comité consultatif national d'éthique, on est vraiment au cœur de cette réflexion pour essayer de trouver la bonne méthode, pour essayer de trouver comment, quelle place réserver aux citoyens dans la réflexion éthique. Est-ce que c'est à certains moments de la construction des avis du comité? Est-ce que c'est au début pour la détermination des besoins, à la fin pour une relecture des avis ou en cours de route? Est-ce que c'est dans l'animation des débats publics? Et encore, je pose la question, mais en fait, je ne devrais pas la poser, puisque dans le projet de loi bioéthique qui est en discussion aujourd'hui même, hein, 24 septembre à l'Assemblée nationale en France, ça fait de longs mois, même depuis 2018 qu'on est en discussion là-dessus, il est prévu que le Comité consultatif national d'éthique va animer tous les ans, entre deux réformes de loi bioéthique, parce qu'on a un dispositif un peu particulier, des débats publics en lien avec les espaces régionaux. Voilà, donc il y a vraiment, c'est inscrit dans les textes, ça veut dire que maintenant, nous, on se dit, bon, voilà, il y a des débats publics, on en parle beaucoup, pas que dans le champ de la santé, mais nous, il va falloir qu'on trouve la bonne méthode, la méthode la plus adéquate pour aller à la rencontre des citoyens. Et en 2018... Entre janvier et mai 2018, il y a eu une période très riche en France sur les questions de bioéthique, avec l'organisation des états généraux, où on a été recherché pour la première fois de façon vraiment extrêmement large l'opinion citoyenne à partir de quatre outils. Tu parlais d'outils tout à l'heure, hein. Donc un site web, des auditions d'associations ou de différents experts, de nombreuses conférences en région ou des cafés bioéthiques comme ici. C'est pour ça que c'est vraiment, là c'est vraiment le défi de la créativité d'aller au plus près, hein. Ça pouvait être dans des maisons de quartier, ça pouvait être dans des grands amphithéâtres, ça pouvait être avec un petit public, dans des écoles aussi. Il y a des lycéens qui se sont emparés, entre autres sur les questions environnementales, mais pas que. De ces questions-là. Et puis un comité citoyen de 22 personnes, représentatif d'un petit peu tous les milieux sociaux, professionnels et tous les âges. Voyez, donc en fait, pour répondre à votre question sur finalement quels seraient ce type d'outils, pour moi c'est vraiment une diversité, une créativité, une grande souplesse pour aller rechercher l'opinion citoyenne sous toutes ses formes. Donc, il faut qu'on se mette d'accord quand même sur un cadre, et tu parlais de cadre minimal, hein, un cadre de base, parce que la souplesse, qui dit souplesse, dit quand même de poser des règles, des règles minimales, qu'on se mette d'accord sur, par exemple, qu'est-ce que serait un bon débat public, quels seraient les standards d'un bon débat public. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire exactement pareil. Mais voilà, on est dans cette dynamique-là en France aujourd'hui, ça bouillonne, c'est ce que je peux dire. J'avais Bryn. Il y a des questions de l'audience à cette étape. On a eu une série d'interventions qui nous permettent un peu de mettre la table. Okay, première question. Merci. Bon, en tant que Française au Québec, les deux perspectives. Moi, j'ai une question et une remarque. Ça fait pas assez longtemps que je suis là, je me rends pas encore forcément très bien compte, mais j'ai une question déjà, qu'est-ce que vous appelez communauté? Parce que alors, on l'emploie à toutes les sauces ici, moi je comprends pas bien ce que ça veut dire, surtout en étant impliquée dans différents organismes communautaires qui sont des associations en fait.
J'ai l'impression que c'est toujours un peu les mêmes personnes qui font quand même tourner les choses et que justement mobiliser l'ensemble des gens, c'est très difficile. Et donc justement, ça m'amène à la comparaison avec la France et l'aspect de comment est-ce que ça se met en pratique effectivement tout ce qu'on dit, parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de choses qui existent déjà. J'avais déjà entendu parler des patients experts, mais qu'est-ce qui existe déjà en fait au Québec, parce qu'on montre qu'il y a beaucoup de choses, mais lesquelles exactement ont été faites pour amener davantage de participation auprès des citoyens, en tout cas dans le domaine de la santé. Merci. Oui, je peux essayer de répondre en même temps. Ma réponse va être partielle parce que je ne suis pas un expert de la santé clinique, on va dire. Donc je sais qu'au Québec, par exemple, il y a beaucoup d'initiatives et en termes de partenariat patient, le patient partenaire. Mais donc on parle du patient. Comme dit, moi, dans mon domaine en santé des populations, mon patient, c'est la population. Donc je dirais qu'on n'a pas cette même formalisation du patient partenaire qui est la population partenaire en santé publique. Bon, pour revenir sur la question de la communauté, qu'est-ce que c'est la communauté ? Une autre bonne question à laquelle je ne pourrais pas vraiment répondre, mais si ce n'est que si on est dans une perspective de promotion de la santé et qu'on se réfère un petit peu aux directives de la Charte d'Ottawa en 1986, qui a vraiment été un élément fondamental et fondateur de la promotion de la santé, qui vise vraiment les milieux de vie comme cible d'intervention pour l'amélioration des conditions de vie qui contribuent au profil de santé et aux inégalités sociales de santé. Dans ce cas-ci, on peut dire que la communauté d'intérêt, c'est les milieux de vie. Alors, c'est un peu une réponse qui triche un peu, mais quand même. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est ça. Après, c'est sûr qu'il y a des communautés de pratiques culturelles, etc., qui peuvent bien sûr se superposer à des milieux de vie et à des contextes de quartier. Mais pour moi, la cible principale, c'est les milieux de vie. Et c'est sûr que les villes, aujourd'hui, par exemple, je travaille pas mal sur la question des changements urbains et des villes. Les villes s'approprient beaucoup les cadres de référence, par exemple, du développement durable ou de la résilience, et affiche des objectifs d'amélioration de qualité de vie et d'amélioration des milieux, qui bien sûr sont des objectifs très fortement alignés avec les objectifs de santé publique. Donc c'est vrai que si on a une vision assez large de la santé publique et de la santé population, et qu'on adopte une posture de promotion de la santé, on se rend rapidement compte que toutes les actions sur le territoire sont porteuses potentiellement de santé ou d'inégalités sociales de santé. Et c'est là qu'on a peut-être, on devient un petit peu mégalomane quand on est en santé publique, parce qu'on a l'impression que finalement on touche à tout. Et juste une petite anecdote pour signifier que des fois il y a aussi un décalage entre ce que les gens perçoivent. J'étais récemment à une réunion à l'Université de Montréal, il y a un projet qui s'appelle Construire l'avenir durablement. Et là, on mettait une tablée d'urbanistes, de chercheurs, etc. Et ils faisaient la revue d'un plan sur l'Est de Montréal. Donc, l'Est de Montréal est une région, je dirais, assez dépréciée, avec beaucoup d'industries lourdes, etc. Et donc, il y a tout un plan d'investissement là, qui est en train de se mettre en place au niveau du gouvernement, au niveau de la municipalité, etc. Et on passait en revue les cibles d'action qui avaient été mentionnées dans ce plan. Et on parlait de transport, on parlait d'urbanisme, on parlait de verdissement, etc. Et tous les acteurs autour de la table m'ont dit à un moment « Ah, mais c'est drôle, ils n'ont pas mis la santé publique. » Mais pour moi, tout ce qu'il y avait dans ce plan, c'était de la santé publique. Donc à partir de ce moment-là, les communautés, c'est une cible d'action à travers l'ensemble des éléments qui constituent les milieux de vie. Et c'est vrai que du coup, d'interpeller les populations qui vivent ces milieux de vie contribue à faire avancer les choses. Mais comme on l'a entendu aussi, c'est que finalement, c'est aussi la question du processus démocratique, comment les gens participent à la vie citoyenne, à l'avenir, et peuvent contribuer à faire changer les choses. Juste peut-être pour compléter, c'est vraiment une question passionnante de se dire qu'est-ce que c'est le partenariat, quel partenariat possible avec la population. Et en fait, quand je t'écoute, je me dis qu'il y a vraiment différents niveaux de population cible. Si je prends l'exemple, je donne deux exemples. En France, depuis on va dire 2-3 ans, il y a des
quasiment, j'ai envie de dire, quasiment toutes les grandes réformes politiques sont précédées, en tout cas il y en a eu beaucoup, notamment dans le champ de la santé ou sociale, de grandes consultations citoyennes. Il y en a eu sur la retraite, il y en a eu sur le plan grand âge autonomie. Donc il y a des remontées, en fait il y a une plateforme hein, où on peut s'exprimer. Il y a eu énormément de participation. Et puis les politiques s'en inspirent, retiennent certaines propositions ou pas. Et donc c'est le défi. C'est-à-dire que si on ne retient rien, ça veut dire qu'à un moment on ne va pas se sentir écouté en tant que population et on va se dire finalement tout ça c'est pour faire beau, c'est de la vitrine comme on dit. Je ne sais pas si vous avez la même expression ici, mais bon, donc finalement personne n'y croira plus. Donc le défi c'est effectivement d'en retenir une partie. Donc ça c'est un premier exemple. Le deuxième exemple qui se multiplie dans les villes en France de grande taille ou de plus petite taille, et Rennes était une des premières, Rennes qui fait à peu près 250 000 habitants hein, avec les petites villes autour, c'est le budget participatif. C'est-à-dire que chaque année, il y a une partie du budget de la ville qui est consacrée à des projets que les citoyens peuvent proposer, mais vraiment pour le coup dans leur rue, hein, ou alors dans leur quartier. Et là, on touche et on interpelle le citoyen de la ville au plus près. Et il y a, au fur et à mesure des années, de plus en plus d'habitants qui font des propositions vraiment très, très intéressantes. Donc, il y a des propositions, il y a une première sélection, et puis ensuite, il faut qu'on vote. Voilà. Et puis dans la ville de Rennes, c'est vraiment, il y en a partout, dans des locaux associatifs, sur les places principales, il y a des grands stands, venez voter. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant à voir. C'est-à-dire que pour le coup, c'est du concret. C'est du concret, c'est-à-dire ça touche le citoyen de la ville. Mais quand on répond à une consultation en ligne sur l'avenir des retraites ou sur la prise en charge du vieillissement, eh bien ça nous touche tous aussi. Mais par contre, toutes les populations ne sont pas forcément informées, et ça c'est la question de l'accessibilité, sur le fait que ça existe, qu'on peut oser s'exprimer. Voilà. Là, on parle vraiment de démocratisation de la santé. Hein? On voit déjà des éléments. Alison, tu veux réagir à ça? Oui, en fait, on pourrait parler de tellement de choses. Sur cette question-là, donc, sur les mécanismes qui sont en place ou qui ne sont pas en place, donc effectivement, l'idée du patient partenaire est très intéressante, me semble-t-il, en tout cas pour moi d'un point de vue d'éthique. Je trouve qu'on va là beaucoup plus loin que quand on parle strictement de processus éthique à mettre en place hein, dans les établissements de santé. Là, on est vraiment un patient partenaire, on est en train de créer cet espace collaboratif-là. Donc, avec le patient. Maintenant, je pense que l'autre pas, c'est celui avec la population de façon plus large. Je pense que vous l'avez dit. Et là, c'est la question de comment est-ce qu'on le fait. Oui, la consultation, hein, c'est intéressant. Il y a différentes façons, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Sur quoi on consulte? Et justement, qu'est-ce que ça donne? La consultation de façade, je pense qu'il faut faire très attention parce que des fois, ça peut engendrer peut-être même plus de scepticisme ou de cynisme que de ne pas en faire du tout. Donc, si on veut en faire, il faut bien le faire. Je pense qu'on a des questions à se poser là-dessus, sur savoir c'est quoi une bonne participation. Et moi, je pense qu'il faut arrêter de parler de consultation pour parler vraiment de participation. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Karine, tu en as donné un début tout à l'heure de proposition quand tu disais « participer, c'est prendre part ». Moi, je ne suis pas philosophe de formation, mais je fréquente des philosophes politiques qui s'intéressent à des questions très pratiques, notamment des questions de démocratie, des philosophes qu'on appelle pragmatistes, donc qui sont inspirés par la pensée de John Dewey, entre autres. Et une de ces philosophes-là, c'est Joëlle Zask, une philosophe française, qui a écrit un livre qui s'appelle « Participer » et qui est fascinant. Et pour elle, il y a trois parts, hein? Il y a trois éléments essentiels pour la participation. Donc, le premier, c'est effectivement prendre part. Donc, il faut pouvoir être invité à la table. Il faut pouvoir avoir notre place. Donc, pourquoi est-ce que comme citoyen, on n'est pas interpellé plus qu'on l'est à l'heure actuelle? Est-ce que vous vous sentez, vous, comme citoyen, interpellé sur les questions de santé? C'est sûr que moi, je ne vais pas aller comme ça, dire « Ah, j'ai plein de temps, je vais aller m'asseoir puis je vais aller discuter de ces questions-là ». J'ai besoin que
qu'on me dise, « Hey, on aimerait ça que tu viennes nous parler avec nous de ça. » Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas toutes sortes de mécanismes, genre, quand tu rencontres ton médecin, quand tu passes dans le système de la santé, tu as un problème particulier, hein, tu n'y vas pas parce que tout va bien. Pourquoi est-ce qu'après, on ne t'inviterait pas à dire, est-ce que tu voudrais venir en parler, hein, parler de cette question-là, de ton expérience, comment ça s'est passé? Parce que la personne qui a vécu la situation, en général, a de très bonnes idées pour voir comment est-ce qu'on pourrait le solutionner. Donc, premièrement, prendre part. Il faut pouvoir prendre part. Il faut avoir des occasions pour prendre part. Il faut être invité à la table. Donc, ça, je pense qu'il y a des efforts qu'on peut faire là-dessus. Le deuxième élément que Joël Zask nous donne, c'est il faut pouvoir contribuer. Donc, on ne va pas là seulement pour écouter quelque chose. On ne va pas là juste pour se faire informer. Il faut être capable de donner, de participer, de contribuer à la discussion, donc de dire ce qu'on a à dire sur cette question-là et qu'on soit écouté. Donc, il faut qu'on sente que ce qu'on va dire ne tombe pas dans le vide. Hein? Donc, contribuer de façon concrète. La troisième partie, recevoir une part. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que souvent, quand on va parler de consultation, on va dire, on va aller écouter ce que les gens ont à dire. Mais les gens, on peut arriver puis on peut dire plein de choses, puis on va avoir plein, on a tous des opinions. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on écoute ce que les autres ont à dire? Est-ce qu'on construit ensemble? Parce que moi, je peux avoir une opinion, mais peut-être que si l'autre arrive avec son expérience, ça va m'amener à nuancer ma position parce que je vais réaliser que ah, je ne suis peut-être pas la seule là-dedans. Puis moi, je le vis comme ça, mais moi, j'ai peut-être une position sociale qui me permet de le vivre de cette façon-là. Puis peut-être que quelqu'un dans une autre position sociale va le vivre de façon très différente. Puis je vais peut-être finalement trouver que mon problème est peut-être moins pire ou que finalement, il y a peut-être d'autres personnes, par exemple, qui auraient besoin encore plus d'appui que moi, par exemple. C'est un exemple comme ça que je donne. Mais donc, c'est l'idée de recevoir une part. Donc, quand on va participer à ça, on ne veut pas des citoyens experts qui viennent en sachant tout. On veut, au contraire, des gens qui vont arriver modestement en disant « j'ai quelque chose à dire hein, », qui ne vont pas rester non plus complètement passifs, parce qu'on veut entendre ce qu'ils ont à dire, mais on veut aussi qu'ils puissent apprendre de ces interactions-là avec les autres, parce que c'est comme ça qu'on construit quelque chose. Et sur le recevoir une part, je pense que si on va un pas plus loin, je pense qu'il faut qu'on voit aussi que nos institutions, nos organisations de santé évoluent hein, dans le sens de ce qu'on exprime quand on va à cette table-là. Donc, petite réflexion sur le sens de la participation. Je pense que si on veut vraiment favoriser cette participation-là citoyenne, bien, il faut se donner les conditions d'aller jusqu'au bout, parce que sinon, on peut se demander, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Juste avant, Karine, je m'excuse, j'interpellerai la salle pour voir s'il y a des questions par rapport à cette première discussion de participation, démocratisation, implication, accueillir. Ici? Ah, OK. Bah, bonjour. Merci de prendre le temps aux intervenants de répondre à nos questions, etc. Donc moi, je suis française et je suis assez intéressée par ces questions-là. Mais ce qui me frappe, c'est qu'on n'a pas assez l'occasion peut-être de, par rapport à ce que vous dites, prendre part et partager. Mais face aux nouvelles technologies et face au monde scientifique et médical, tout le monde ne peut pas prendre part parce que, certes, chacun a sa réflexion, mais à un moment, philosopher, il faut aussi un minimum de technicité. Enfin, je veux dire, on ne peut pas réfléchir, mais sans avoir aucun support. Il faut un minimum de connaissances. Et donc, comment on l'acquiert, cette connaissance? Parce que réfléchir à des enjeux éthiques, tout le monde, effectivement, pourrait le faire. Mais ce qui serait intéressant, c'est que chacun puisse aussi avoir les moyens de pousser sa réflexion plus loin en ayant
peut-être pas en devenant chacun médecin ou ingénieur, mais quelque chose de qu'on puisse nourrir la réflexion de manière plus plus approfondie, on va dire. Peut-être les réactions. Je peux commencer avec un petit mot, notamment au niveau des technologies. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, un des changements auxquels on assiste ces dernières années, c'est effectivement l'essor des technologies, notamment passives, qui mènent vers des données massives, là, notamment les appareils qu'on a dans nos poches, la plupart d'entre nous, là, qui ont des GPS, des accéléromètres et toutes sortes de capteurs, et qui permettent de collecter beaucoup de données. Et c'est sûr que dans cette perspective-là, on développe des protocoles de recherche qui puisent dans ces données et qui nous donnent des informations très détaillées sur la mobilité quotidienne, sur l'activité physique, qui permettent de poser des questions en temps réel à travers des enquêtes momentanées. Donc là, il y a bien sûr une opportunité pour la santé publique de faire participer un grand nombre de citoyens. Et donc toute cette évolution vers les données massives, c'est bien sûr une opportunité intéressante, avec tous les enjeux bien sûr auxquels on peut réfléchir et qu'on discute aujourd'hui. Mais c'est peut-être un des moyens aussi d'intégrer des gens, puisque aujourd'hui, par exemple les téléphones intelligents, je pense qu'on est à peu près à 92 ou 94% de personnes qui détiennent un téléphone intelligent. Donc même à travers les différentes strates sociales, on a une bonne représentativité. Alors en tout cas, moi c'est sûr que c'est le genre de méthode auquel on fait appel, hein, mais ça peut être une manière de participer aussi. Oui, dans votre question, il y avait aussi le point de la connaissance en fait des acteurs, des usagers, alors pour être des citoyens en général, et pour, alors c'est pas tout de reconnaître un droit pour pouvoir l'exercer, c'est pour ça que j'insistais sur la question de l'effectivité de ce droit et de l'accessibilité de ce droit. Il faut effectivement avoir les outils, je crois que c'est toi qui avais utilisé le terme d'outils, faut avoir la connaissance, et au moins une connaissance minimale effectivement qui sera peut-être pas ou jamais à la hauteur de la technicité, et encore, pourquoi pas pour certains. Et je pense que, enfin, moi, il y a un mot qui me frappe beaucoup depuis un an ou deux dans l'ensemble des colloques, des débats, des écrits ou des discours politiques aussi, c'est la question ou aussi de l'expression des personnes les plus vulnérables, notamment dans le champ du handicap ou des personnes âgées ou des précaires, c'est la question de la confiance. Et il y a quelques jours, juste un témoignage, il y avait une journée organisée par l'Agence régionale de santé de Bretagne, c'était la journée des représentants d'usagers, où une ou deux fois dans l'année, ils réunissent tous les représentants d'usagers qui siègent dans les instances des hôpitaux ou dans le champ médico-social. Et c'était très intéressant d'entendre leur expression. Là, ils disaient, il y a une dame qui, alors c'était intéressant, elle venait, elle n'était pas encore représentante d'usager, mais elle était venue pour se renseigner, pour peut-être être candidate à la fin de la journée. Et puis elle disait, je ne sais pas si je vais être à la hauteur, ça m'intéresse, mais je ne sais pas si je vais oser, voilà. Je ne sais pas si je vais oser parler, si je vais être, cette notion de capacité, voilà. Et finalement, vouloir être trop exigeant, on n'y va pas si on est trop exigeant. Donc il faut oser se donner se fixer différentes étapes et se faire confiance. Alors la confiance, c'est dans les deux sens. Ça veut dire que les professionnels de santé, les techniciens dont vous parlez, il faut qu'ils fassent confiance aux usagers, aux représentants d'usagers, mais qu'eux-mêmes, ils se fassent confiance, voilà, pour oser s'emparer de ce droit. Et pour qu'on entende le moins souvent ce que j'ai encore entendu il y a quelques jours, finalement, parfois, on s'assoit à la table, on est invité à la table est mise, avec ou sans couvert, et on n'ose pas parler parce que finalement, on ne comprend rien, voilà, ou on ne comprend pas beaucoup, ou on ne comprend pas grand-chose. Alors, c'est déjà beaucoup qui soient invités à la table, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ils sont invités, mais donc il y a un enjeu de formation et d'accompagnement déterminant pour qu'ils puissent vraiment jouer un rôle, et un enjeu de considération, parce que ce qui est ressorti aussi de cette journée, c'est que finalement on nous alors pas tous, hein, mais il y en a certains qui disaient, on a le sentiment d'être inutile, on nous écoute pas beaucoup, ou alors ce qu'on dit, déjà quand on ose le dire, voilà.
Donc, il y a ce cap à passer. Il y en a qui vraiment sont très impliqués. Ils sont presque à la limite des professionnels. On parle des patients partenaires, des experts. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du débat en France, finalement. Est-ce qu'on reconnaît un statut en tant que tel à ces représentants d'usagers? Et c'est très débattu parce qu'on se dit, finalement, si on reconnaît un vrai statut avec rémunéré, hein, on les transformerait en professionnels, est-ce qu'ils ne perdraient pas une part de leur liberté? Voilà. Donc, entre eux, même, ils discutent sur ces questions-là. Est-ce que je peux ajouter là-dessus? Je me permettrais de ramener la notion que j'ai mentionnée tout à l'heure, la notion de savoir expérientiel. Pour moi, c'est central là-dedans. Quand je parle de participation, c'est pas pour participer à des débats sur des grandes questions philosophiques. En tout cas, les points que j'amène, ou en tout cas ce que je préconise, c'est vraiment des approches qui sont basées sur la résolution de problèmes concrets. Donc, sur des situations concrètes que les gens ont vécues. Et dans ce cas-là, tout le monde est capable d'en parler. Donc, on n'est pas au niveau de grandes discussions philosophiques, même si, bon, on appelle ça de l'éthique, hein, puis ça origine d'une réflexion philosophique. Les discussions autour de la table, on ne veut pas nécessairement avoir des grandes discussions philosophiques, on veut des discussions très, très concrètes sur comment vous avez vécu ça et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux faire la prochaine fois? Donc là, on est à un niveau très, très concret sur lequel tout le monde peut s'exprimer. Et là-dessus, je pense qu'on veut multiplier le retour d'expérience. Donc, on ne veut pas seulement, tu parlais tout à l'heure des représentants d'usagers qui sont devenus presque des experts. Encore là, je pense qu'il faut faire attention parce que représente-t-il exactement? Ce qu'on veut, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui représente, par exemple, une communauté minoritaire, par exemple. On a besoin de quelqu'un qui exprime comment certaines personnes ont vécu cette expérience-là. Et donc, dans notre représentation, il faut faire très attention parce que ce n'est pas juste une représentation statistique. On a besoin de femmes, on a besoin de jeunes, on a besoin de minorités culturelles. C'est pas de cette façon-là, je pense, qu'on va arriver à une bonne représentation, mais plutôt d'aller chercher des gens qui ont vécu des expériences d'une façon X, Y, Z, donc qui se rejoignent à ce niveau-là. Donc, je pense que quand on est à ce niveau-là, hein, j'ai cet auteur ici que j'aime beaucoup qui s'appelle Christopher Ansell, qui a réfléchi justement à la façon de démocratiser les agences publiques, donc ça inclut justement les institutions de santé. Ben pour lui, c'est vraiment cette question-là d'être capable d'être axé sur dans des approches qui sont axées sur les problèmes, la résolution de problèmes, et non pas des grandes questions abstraites sur lesquelles on ne se sentira pas à l'aise de se prononcer. Mais si on dit, par exemple, face à la question, par exemple, de, je ne sais pas moi, la vaccination de la grippe, hein? Comment a été votre expérience? Pourquoi vous êtes allé? Pourquoi vous n'êtes pas allé? Tout le monde est capable de répondre à ça. Et on peut avoir des vraiment bonnes discussions puis aller comprendre de façon claire pourquoi les gens y vont, pourquoi ils n'y vont pas, puis qu'est-ce qu'on devrait faire la prochaine fois si on veut, par exemple, augmenter le taux de vaccination ou une approche qui serait encore peut-être plus intéressante si on veut avoir une approche adéquate qui ne serait pas prédéterminée, qui ne serait pas dire on veut augmenter le taux de vaccination, mais voir quelle approche devrait-on prendre. Donc, je pense que tout est dans la façon de poser les questions et ça, c'est très important et c'est ce qui va faire que les gens vont avoir envie de prendre part et de contribuer ou pas. Donc, il y a comme une forme d'émancipation qui est sous-jacente hein, derrière ça. Donc, tu l'avais abordé, Alison, une capacitation des acteurs à prendre la parole qui va leur permettre de s'émanciper. Mais en bout de ligne, on parlait tout à l'heure du patient partenaire. Le patient partenaire, qu'est-ce qu'il apporte au système de santé, là, justement, concrètement, si on veut rester pragmatique? Yann? Bien. Alors, je vais avoir tendance à me répéter un petit peu, mais c'est sûr que n'étant pas un spécialiste de la médecine clinique, en fait, des approches cliniques, je vais
Je vais me contenter de répondre sur les questions plutôt de santé publique. Et je rebondirai aussi sur ce que tu viens de dire, notamment en lien avec la compréhension des enjeux liés vers les solutions. Et je pense qu'il y a un domaine qui est intéressant, qui est la recherche interventionnelle, où on s'intéresse en santé publique à la question des interventions. Et plutôt que de se préoccuper de comprendre le problème, quels sont les facteurs de risque ou quelles sont les causes de l'obésité, on va plutôt regarder quelles sont les interventions qui visent à régler le problème et d'essayer d'en comprendre les effets. Et en analysant l'effet des interventions, on a bien sûr beaucoup plus d'informations sur des solutions possibles ou l'amélioration des solutions possibles pour l'avenir. Alors dans le contexte par exemple des enjeux urbains ou des enjeux ou des leviers qu'on a sur les enjeux urbains, par exemple, on peut penser à des interventions comme la mise en place d'une piste cyclable, par exemple, et qui peut avoir bien sûr un effet sur l'activité physique des populations, qui peut augmenter l'activité physique, qui peut éventuellement augmenter la sociabilité locale, qui peut aussi avoir des effets pervers de gentrification. Donc en étudiant des interventions sur le territoire qui ont lieu, des solutions concrètes, et en évaluant les impacts de ces interventions-là, on est beaucoup mieux outillé pour éventuellement faire des recommandations sur des aménagements futurs. Et donc, on dit qu'on est dans ce sens-là, dans la science des solutions. Donc, on parle aussi d'expérimentation quasi naturelle. C'est-à-dire que, bien oui, effectivement, sur le territoire, on a des endroits où les interventions sont implantées, des endroits où les interventions ne sont pas implantées. On peut donc comparer les effets entre les lieux, etc. Et ça nous donne effectivement des outils assez intéressants pour aller vers une science des solutions. Merci, Karine. Oui, juste, je rebondis sur l'expression de science des solutions, parce qu'on dit souvent que l'éthique, c'est la science du questionnement. Donc, du coup, voilà, c'était juste... Mais dans une perspective pratique, c'est au contraire celle de regarder les solutions, parce que les solutions nous en disent beaucoup sur le problème et les questions qui sont au cœur, parce que souvent nos questions sont pas toujours connectées avec la réalité. Hein? Donc, s'interroger sur les effets pratiques de nos actions et de nos interventions, je pense que c'est fondamental. Puis effectivement, donc, tu as le patient partenaire, moi je pense que c'est hyper intéressant, justement parce que ça amène une perspective beaucoup plus concrète sur la façon dont on donne des soins. Mais pour étendre ça justement aux citoyens de façon plus large, cette voie-là de la recherche collaborative, me semble-t-il, elle est essentielle aussi. Puis je pense qu'il y a une tendance justement vers cette ouverture-là de la recherche, et pour moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, parce que ça, c'est une autre des façons aussi. Oui, les instances publiques peuvent aller consulter, faire participer les gens pour savoir quelles actions ils peuvent mettre en place l'adéquation de leurs actions, mais nous, comme chercheurs, je pense qu'on a un rôle aussi à donner une place à ces gens-là. Donc, encore là, c'est une question de valorisation de ce savoir expérientiel-là. Il faut qu'on lui donne de la valeur, et à partir du moment où on lui donne de la valeur, bien, il va avoir une place à la table, et je pense que c'est exactement ça qu'on fait avec le patient partenaire. On est en train de dire, votre expérience, elle compte, hein, elle est importante, et on veut la mettre à contribution. Ça prend quand même une certaine humilité pour accueillir toutes ces idées-là, parce que le patient partenaire peut participer à la recherche de solutions d'un médecin-chercheur qui a peut-être, de par sa discipline, une certaine vision et penser à des solutions auxquelles il n'avait pas pensé. Donc, mais ça demande quand même de part et d'autre une certaine humilité. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, Émilie, c'est vrai, je t'ai échappée. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces discussions. Je trouve ça hyper intéressant, et j'ai un mot qui me vient en tête, c'est le mot d'enjeu. Alors, il y a plusieurs enjeux en fait qui peuvent être soulevés dans tout ce que vous avez dit. Et je me demandais si dans un scénario prospectif, dans vraiment plusieurs années, l'enjeu de fracture numérique est quelque chose que vous avez évoqué ou qui va être évoqué, ou est-ce que dans la consultation, on a vraiment besoin d'un humain pour un humain? Bien, bon, je peux peut-être commencer, puisque
Je mentionnais tout à l'heure que j'utilisais des technologies là, pour collecter des données auprès des citoyens partenaires ou des citoyens scientifiques, comme des fois on les appelle. Et c'est vrai que, alors, bien qu'effectivement, on s'intéresse surtout à des interventions sur le territoire, et donc, il est assez facile de sonder l'expérientiel du citoyen, puisque quand on lui pose par exemple la question sur comment il perçoit que son quartier est en transformation, est-ce que, etc., souvent c'est assez facile de répondre parce que c'est vraiment l'expérience du citoyen dans son milieu auquel on est intéressé. Ça le touche effectivement. Mais il n'empêche qu'effectivement, malgré ça, il y a quand même tout l'enjeu du biais de participation. Alors pour donner un exemple, on a lancé récemment une étude, alors l'étude Interact, qui est actuellement dans 4 villes canadiennes, à Montréal, Victoria, Vancouver et Saskatoon, et où on a essayé de recruter un grand nombre de personnes, notamment à Montréal, sur la question des enjeux urbains et de la santé. Et une fois qu'on avait complété notre échantillon, on a à peu près 1200 participants, donc c'est des gens qui ont répondu à des questionnaires en ligne, sur leurs habitudes de vie, sur leurs habitudes de mobilité, sur leur participation sociale, sur des enjeux de santé. C'est des gens qui éventuellement ont téléchargé une application de téléphone intelligent et qui les a suivis pendant 30 jours, donc ça a envoyé des données GPS, des données d'accélérométrie. C'est des gens éventuellement qui ont répondu à des questionnaires momentanés, 3 fois par jour, des petites questions sur leur bien-être. C'est des gens qui ont aussi éventuellement porté un appareil à la hanche. Alors bon, pour les plus motivés d'entre eux. Voilà. Donc on a eu une très belle participation à travers la région montréalaise, mais quand on regarde l'échantillon quand même, on a vraiment une surreprésentation de gens qui sont allés à l'université. Alors effectivement, le gradient social qu'on essaie de couvrir, c'est pas évident d'aller chercher des populations plus défavorisées ou qui ont moins d'accès, etc. et qui sont peut-être moins interpellées par ces questions pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter finalement. Et donc là, on vient d'obtenir un financement complémentaire pour s'intéresser de plus près aux enjeux de gentrification, notamment aux enjeux inattendus là, des interventions urbaines. Et donc, on est en train de développer toute une stratégie de participation et d'interpellation en fait de communautés et de populations qui sont plus difficiles à atteindre. Et c'est sûr que ça prend des efforts, mais ça prend aussi des partenariats justement avec les organisations communautaires qui sont déjà bien impliquées dans les milieux. Mais c'est vrai que cette fracture numérique, peut-être qu'elle ne transparaît pas dans les chiffres. Je mentionnais tout à l'heure qu'on a, 92% aujourd'hui au Québec de la population qui a un téléphone intelligent adulte. Donc ça semble être à travers l'ensemble des milieux, mais lorsqu'on interpelle et lorsqu'on veut... faire participer les gens à ce genre de processus, c'est pas toujours facile. Donc oui, il y a une fracture numérique. Et effectivement, la question après, c'est nos données sont-elles représentatives de la diversité et les conclusions auxquelles on arrive, est-ce qu'elles vont pas contribuer à encore plus exclure les populations défavorisées qu'on n'arrive pas à joindre aujourd'hui? Ça veut dire que du coup, là encore, en termes de méthode, il faut réfléchir à comment cibler ces populations-là. Je reprends l'exemple des états généraux de la bioéthique qui est vraiment, je pense qu'on peut dire que ça a été un succès en 2018, même si tout est perfectible, même si on peut encore faire mieux pour la fois suivante. Ce qui nous a manqué, c'est effectivement la présence des plus jeunes. Je vous donne l'exemple d'une journée qu'on a fait à la maison des associations à Rennes, là, sur le matin, c'était un samedi matin, c'était sur l'assistance médicale à la procréation, l'après-midi c'était sur la génétique. Alors on s'est dit, bon, 9h du matin, c'est le jour du grand marché à Rennes, très connu, on va voir personne. Et bien la salle était pleine, il y avait 300 personnes. Et après on s'est dit, bon, l'après-midi, les jeunes, bon, c'est un peu moins vendeur que l'assistance médicale à la procréation. Et puis, ben non, pas du tout, il y avait un peu moins de monde, mais il y avait encore beaucoup de monde. Alors, des personnes on sentait de milieux un petit peu différents, mais effectivement, les personnes précaires, on n'a pas réussi à les avoir, hein, ça c'est, faut être honnête. Et les plus jeunes non plus, hein. Donc il y avait, on va dire, entre 25 et 70 ans, peut-être même plus, mais il n'y avait pas les jeunes. Par contre, on a organisé des choses spécifiques dans les universités ou en lien avec des collaborations particulières avec des professeurs. Et puis une fois par an, le Comité consultatif national d'éthique organise avec 10 lycées en France, pour le coup de milieux sociaux très différents,
des journées des lycéens sur la bioéthique. Ils ont choisi un thème. Cette année, c'était sur l'intelligence artificielle. Et ils viennent restituer à Paris. Donc, ils ont 3 jours à Paris. Une journée de restitution, c'était de très haute qualité. Hein. Et j'allais dire les gamins, mais c'est plus des gamins. Hein, ce sont des étudiants en terminale, des élèves en terminale. C'était vraiment... Ils s'étaient investis avec leurs profs pendant des mois. Voilà, donc il faut trouver, pour rebondir sur ce que tu disais, des modèles vraiment les plus adaptés aux populations qu'on n'arrive pas à avoir. C'est pas uniquement une fracture numérique, je pense, bien sûr que ça y contribue, mais voilà, il faut aller au plus près, en fait, il faut toucher. Je crois que le terme de toucher, c'est un bon terme. Alison, comment on peut justement faire une représentativité juste? Ben, encore là, je pense qu'il faut, et c'est un gros défi, mais c'est de voir justement quels sont les lieux qui sont les plus propices justement à aller toucher les acteurs qu'on arrive plus difficilement à toucher et quelles sont les bonnes questions à leur poser encore là. Hein? Donc, je pense que ça, on a beaucoup à réfléchir à ça, sur les bonnes questions à poser qui vont peut-être... Peut-être que la première question ne sera pas la question ultime qu'on veut leur poser, mais peut-être que c'est en entrant par une question qui les touche plus directement ou qui est plus concrète qu'on pourra par la suite aller ouvrir vers un sujet plus large. Donc, la façon de poser la question, je pense qu'elle est essentielle. Puis là, c'est sur le lieu. Hein? Vous disiez, bon, on a de la difficulté à avoir une bonne représentativité, par exemple, de certaines populations plus défavorisées, moins outillées, tout ça. Mais où sont-ils? Où est-ce qu'on les voit? On les voit beaucoup, justement, dans les institutions de santé. Hein? Ce sont des populations qui, en général, sont fréquentent beaucoup hein? les milieux, certains endroits au niveau de la santé. Hein? Est-ce que ça peut être dans les urgences? Est-ce que c'est dans certains milieux comme ça? Donc, pourquoi est-ce qu'on ne se déplace pas sur leur terrain? Pourquoi on ne va pas à leur rencontre? Est-ce que ça doit... Je pense que d'inviter les gens à une table, à faire une discussion, c'est intéressant, mais ce n'est pas la seule façon. Peut-être qu'on peut faire quelque chose de plus un à un ou des discussions en petits groupes. On peut y aller là, sur place. Je veux dire, on a des gens qui attendent des heures et des heures à l'urgence. Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'aller les engager puis aller parler avec eux de questions qui sont importantes pour eux puis qui sont importantes pour nous comme chercheurs ou comme décideurs publics? Je pense que c'est ça aussi. Hein? On ne doit pas juste les inviter à l'hôtel de ville, il faut, ou dans les universités, mais il faut aller aussi sur le terrain où est-ce que ces personnes-là qui sont peut-être moins représentées dans nos recherches ou nos consultations, où est-ce qu'on va les trouver de façon plus importante? Donc, c'est peut-être le genre de questions que l'éthique va amener à se poser, justement, les lieux et quelles questions se poser. Parfait. Il y a une question, Bryn. Bonjour, Marie-Claire Bérubé. Merci bien. C'est fort intéressant. J'ai une question, c'est vrai, qui me brûle les lèvres depuis le début, parce qu'on entend, bon, le patient partenaire, concept fort intéressant, c'est sûr, le citoyen dans la recherche, mais vous qui êtes dans des universités, comment vous voyez la place, ou est-ce que vous voyez une place pour le citoyen dans une faculté, dans une université, son opinion citoyenne? Comment vous voyez ça? Karine? Non, je vais d'abord laisser... Ah! C'est sûr qu'on a tendance beaucoup à le voir à travers nos recherches. Hein? Donc, la façon... Mais je pense que la façon dont on pense nos recherches... tantôt, Yann a parlé de recherche-intervention. En tout cas, nous, en éthique appliquée, on travaille beaucoup dans une logique de recherche-intervention, recherche-action. Donc, vraiment s'assurer d'aller près des gens ou d'aller chercher la participation de ces gens-là dans les recherches. Mais je pense qu'effectivement, il y aurait peut-être lieu d'ouvrir cette question-là, parce que ça, c'est la façon dont on est habitué de faire les choses. Hein? Les universitaires, on fait des recherches. On a un financement, puis on fait un projet de recherche, puis on part avec notre projet de recherche, puis on va rencontrer les acteurs. Mais est-ce que
Est-ce que vous avez peut-être des suggestions, justement, comment est-ce que l'université peut s'ouvrir plus sur, sur les acteurs, sur la communauté? Parce que je pense que c'est une question qui est importante à l'heure actuelle, puis je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Donc, encore là, je ne pense pas que la réponse doit venir des universitaires. Je pense que la réponse doit venir des citoyens qui doivent nous dire, ben moi, j'aimerais participer de cette façon-là à vos recherches universitaires parce que je suis tannée que ça ne serve à rien puis que ça reste sur une tablette puis que ce soit réservé à une communauté scientifique très, très pointue. Tu sais, ça peut être à travers... on essaie le plus possible de faire de la vulgarisation, d'aller faire de participer à des événements grand public, mais il y a probablement d'autres façons de faire auxquelles on n'a pas pensé. Avez-vous des idées? Voulez-vous réagir? Si moi, je peux intervenir. Ouais. On vit ça actuellement à l'École de sciences publiques de l'Université de Montréal. Avec les réformes du statut de l'université, ils visent à intégrer des citoyens, des représentants du public dans les différentes instances. Donc, notre faculté est en train de réfléchir à l'invitation des citoyens pour assister à un comité des études, un comité de planification. Évidemment, difficile de recruter des gens qui vont taper des réunions administratives plutôt ennuyeuses, mais il y a un sentiment d'une ouverture de rejoindre les gens pour les inviter de participer s'ils veulent. Le modèle mieux développé, c'est les comités en éthique de la recherche, où, de façon statutaire, les citoyens doivent être membres de ces comités pour représenter un point de vue autre que the usual suspects, les gens qui sont des chercheurs ou experts autour de la table. Et souvent, et dans mon expérience, parce que toujours, c'est les gens qui posent les questions bêtes parce que c'est naïf, ils connaissent rien. Et tout le monde dit, ah oui, t'as raison, on n'a pas vu ça. Donc, le point de vue de celui qui est à l'extérieur est super important. Comment est-ce qu'on opérationnalise ça dans les mécanismes de gouvernance dans l'administration universitaire? À voir. Ça va être une recherche en action. Alors, je rebondis quand même sur ce que tu viens de dire, Bryn. Quand tu parles de citoyens, est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que ce sont des citoyens lambda à l'extérieur de l'université, ou est-ce que ce sont, enfin, ou de l'ESPOM, ou est-ce que ce sont des élèves à qui on va, donc des apprenants, à qui on va demander aussi d'exprimer des choix, de co-construire, ça peut être de co-construire des nouveaux parcours de formation, donc ça c'est une sorte de révolution, hein, de se poser la question. Parce qu'effectivement, la place, si je pose cette question, c'est parce qu'à l'UHESP, effectivement dans les instances, il y a aussi un ou deux représentants d'associations d'usagers. Hein. Et puis il y a des élèves qui représentent chaque promotion, donc chaque promotion est représentée en fait. Donc vous voyez, il y a ces deux niveaux de participation, à la fois des élèves et puis du citoyen, mais c'est pas n'importe quel citoyen, c'est quelqu'un qui est impliqué, qui représente une association d'usagers. Et donc je pense qu'aujourd'hui le défi, quoique ça reste encore à parfaire, mais quand même le défi, c'est d'aller chercher la parole du citoyen entre guillemets lambda, c'est-à-dire de n'importe qui. Et ça commence à se faire dans le champ de la santé. Il y a quelques exemples en France, pas encore beaucoup, mais je pense que ça va prendre de l'ampleur, avec la constitution de jurys citoyens dans des hôpitaux. Je prends l'exemple d'Angers, c'est un des jurys citoyens qui a été le plus connu, où en fait le directeur de l'hôpital, il a lancé un appel public dans le journal local en disant, ben voilà, on va constituer un comité citoyen, pas de représentants d'associations d'usagers, hein, c'est pas la même chose. On appelle, voilà, qui est intéressé pour participer à la vie de l'hôpital. Ça fait partie de la vie de tout le monde. Vous avez peut-être vous-même une l'occasion d'y rentrer, ou pour un proche, ou peut-être un jour vous aurez l'occasion. Est-ce que vous souhaitez exprimer des choix, être impliqué? Et en fait, il a été surpris parce qu'il y a eu plein de candidatures. Donc en fait, là, le fameux cadre dont je parlais tout à l'heure, il y a une société qui a fait la sélection pour essayer justement que ça soit le plus représentatif possible, qu'il n'y ait pas qu'un profil. Et en fait, ils ont plusieurs réunions dans l'année, en présence du directeur à certains moments, ils font des propositions. Et on avait fait un reportage d'ailleurs à l'UHESP sur cette expérience, et puis il y avait les témoignages de membres de ce forum qui disaient voilà, on a fait des propositions et en fait la plupart ont été retenues. Voilà, donc c'était donc la dame était super contente et assez enthousiaste en fait, parce que c'était concret, parce que c'était réaliste aussi,
Et puis, c'est ce regard extérieur. On va à l'hôpital et puis elle disait que, par exemple, hein, la première chose qui avait frappé tout le monde, c'est que tout le monde se perdait. Voilà, c'était la question de ces panneaux de signalisation. Bon, ben, ça, c'est du concret. Hein, ça parle à tout le monde. Voilà. On y va, on se perd, c'est grand. Et encore, ce n'est pas les grands CHU. Voilà. C'est un petit CHU, mais les gens se perdaient quand même. Donc, une des déclinaisons très concrètes du forum, c'est que les panneaux de signalisation ont été changés et précisés. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te posais cette question-là tout à l'heure. Dans les universités, c'est habituel, dans mon expérience, d'avoir des représentants étudiants sur tous les comités structurants, donc des comités de programme, des comités des études, des comités départementaux. Il y a toujours un ou deux étudiants, souvent, qui représentent l'association étudiante. Et ils sont une voix importante. Le défi, et je pense que c'est une question pour vous, c'est une des questions, on a touché sur certains éléments ce soir, c'est ce jeu de pouvoir et la vraie liberté de parole. C'est une chose de dire, on a recruté monsieur, madame, tout le monde de la grande public, ou un étudiant. Plus difficile, je dirais même pour un étudiant, quand les personnes autour de la table sont toutes des professeurs. Le niveau de différence en termes de pouvoir est gigantesque. Exactement la même sorte de situation quand on a un groupe de médecins, quelques infirmières et un ou deux patients. Comment rétablir, pas peut-être un niveau égal, mais de réduire l'écart entre les acteurs avec le pouvoir et ceux qui ont moins de pouvoir et qui peut-être se sentent totalement démunis et pas capables de s'exprimer, même s'ils ont des choses super importantes, et que les gens avec le pouvoir cherchent cette partage d'expériences et de connaissances. Comment aider tous les joueurs dans ces dynamiques hiérarchiques de créer un environnement moins hiérarchique et plus ouvert à un vrai dialogue? Juste témoigner, puis après je passerai la parole, mais je pense au conseil d'administration de l'école. Pour répondre à ta question, déjà les représentants des élèves sont quand même assez nombreux. Donc le nombre, si on est tout seul face effectivement à une communauté, on se sent beaucoup moins fort que si on est plusieurs. Moi, j'ai pas du tout le sentiment qu'ils n'osent pas s'exprimer, hein. Pas du tout. Ils sont même parfois, un petit peu virulents, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est-à-dire qu'ils, ils expriment un contentement, ils expriment un mécontentement. Et d'ailleurs, ma langue a failli fourcher, mais c'est très important de dire ce qui est positif aussi. Et ils le disent parfois. Après, le fait de diversifier, mais c'est vrai que ça dépend des instances, mais le fait de diversifier qu'il n'y ait pas que des profs d'un côté et puis des élèves de l'autre, mais des représentants aussi extérieurs, ça change aussi cet équilibre. Hein. Parce que c'est vrai, et on l'a dit tout à l'heure, l'enjeu de pouvoir, il est déterminant. Ça, il y a un enjeu de posture. Tout à l'heure, tu posais la question, ça change quoi d'être des patients partenaires? Et bien, c'est un changement de posture radical. Il y a un changement de place. Il faut accepter de laisser un petit peu sa place, un petit peu de place pour rétablir d'autres équilibres. Moi, en fait, si tu as une réponse à cette question-là, j'aimerais ça le savoir parce que c'est une question que je me pose de façon importante. Depuis plusieurs années, là, je travaille la question justement du pouvoir en éthique parce que pour moi, je réalisais qu'on ne peut pas parler d'éthique si on ne se questionne pas d'abord sur quel pouvoir on a, hein, et s'assurer que les acteurs ont le pouvoir. Je travaille avec une notion qui s'appelle le pouvoir avec, qui est très intéressante parce que ça nous amène justement à penser le pouvoir différemment. Donc, au lieu de penser, traditionnellement, on pense le pouvoir comme un pouvoir sûr. Hein? Donc, quand tu parlais tantôt des grands rapports de pouvoir, hein, c'est souvent des personnes qui ont un pouvoir sur d'autres personnes ou sur certains savoirs, par exemple. Donc, la notion de pouvoir avec est intéressante parce qu'elle nous amène à vouloir, au contraire, favoriser le pouvoir de chaque personne, donc le pouvoir d'action de chaque personne. Mais comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Comment est-ce qu'on arrive à favoriser ça? Moi, je pense que c'est la question qu'il faut arriver à résoudre. Donc, autrement que dans l'éducation, ce qui part de très loin, hein, pour réussir justement à donner confiance aux personnes dans ce qu'ils pensent et leurs opinions. Mais c'est de trouver différentes façons. Je disais
tout à l'heure, bien, il y a des gens qui vont peut-être s'exprimer mieux dans le 1 à 1, par exemple. Tu sais, la discussion en groupe ou même en petit groupe n'est pas toujours adéquate pour tout le monde. Donc, il faut trouver d'autres façons. Moi, dans mes recherches, je travaille beaucoup avec des producteurs qui sont des producteurs de commerce équitable. Donc, c'est des gens qui, à la base, sont défavorisés à plein d'égards, au niveau économique, mais aussi social. Souvent, c'est des personnes autochtones dans leur pays et tout ça. Donc, ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités, pas beaucoup d'éducation. Mais il faut donc arriver, justement, des fois, c'est en les rencontrant entre personnes, en créant une certaine confiance, qu'après ça, on peut arriver à ce dialogue-là. Donc là, il faut entrer dans cette conversation-là. Donc, c'est peut-être pas juste des rencontres, hein, une fois comme ça, puis après c'est fini, mais peut-être qu'il faut établir cette relation-là de confiance à long terme. En tout cas, moi, mes producteurs équitables, là, quand ils sont en relation à long terme avec leurs acheteurs, ça se passe beaucoup mieux, puis ils deviennent des partenaires plutôt que des quémandeurs. Hein? Donc, là, il y a quelque chose d'intéressant, donc établir une relation à long terme, qui ait des échanges. Je disais tout à l'heure, recevoir une part, donner une part, bien, qu'ils sentent qu'ils donnent quelque chose et qu'ils reçoivent aussi, créer ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. Donc, ce n'est pas juste poser des questions, consulter à un moment dans le processus, au début, au milieu, à la fin, mais c'est peut-être impliqué à tous les niveaux jusqu'à la fin, puis voir, bien, finalement, ce qu'on a mis en place, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, aller jusqu'au bout du processus. Donc, il faut essayer. C'est des pistes comme ça, mais si tu as d'autres éléments de réponse, en tout cas, moi, je suis très, très intéressée parce que c'est une question qui me préoccupe énormément et je pense qu'elle est essentielle pour qu'on réussisse à avoir cette participation-là qu'on a besoin. Yann? Oui, non, je pense que c'est un excellent point, une bonne question. Je pense qu'il y a aussi des fois des méthodes qui facilitent la participation collective et une certaine reconnaissance des voix de chacun. Par exemple, nous, dans notre projet Interact, on utilise la cartographie conceptuelle, là, une méthode qui permet de dessiner la vision globale autour d'un enjeu généralement complexe. Et la manière dont nos participants, ça fonctionne, c'est qu'il y a comme trois étapes. La première étape, on pose la question, les gens produisent des réponses et c'est fait individuellement. Donc chacun pour soi produit des réponses. Deuxième étape, chacun trie les réponses en faisant des piles avec, mais c'est là encore chaque participant a la même voix, qu'on soit médecin, infirmière ou patient. Et finalement, l'algorithme reclassifie les réponses pour produire la carte conceptuelle, donc la proximité entre les concepts et les clusters. Et ensuite, ça devient une carte qu'on peut discuter ensemble, mais au moins chaque voix a été exprimée avec le même poids. On peut même, si on a suffisamment de participants, générer la carte, je ne sais pas, des médecins et la carte des infirmières et voir dans quelle mesure les visions aussi divergent. Et là, bien sûr, les divergences, ça devient une opportunité d'échange et de collaboration éventuellement. Donc, je pense qu'il faut aussi être créatif dans les méthodes des fois qui peuvent faciliter un petit peu la représentation. Là. Je pense qu'on a fait ressortir beaucoup de choses, hein? Par exemple, bon, l'accessibilité, les critères, l'émancipation, la capacitation des gens, leur donner une voix, une place, mais en même temps de faire remonter ça dans le système pour que ça soit entendu, écouté. Je vais rebondir sur une interrogation qui circulait. Ça prendrait quel modèle de gouvernance pour tout ça, là? Vu qu'on parle d'un patient partenaire, d'un patient qui a sa place dans le système de la santé, d'un patient citoyen. Donc, ça nécessite quoi? De jeter à terre notre modèle, puis de revoir le tout, de repenser. Je voulais vraiment vous entendre. Quelle sorte de modèle de gouvernance ça prendrait pour... Je ne sais pas s'il y a un modèle ou une gouvernance, mais en tout cas, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on parle beaucoup de société inclusive. En France, mais je pense qu'ici aussi, largement. Mais quelque part, ça serait une participation, une place, une société inclusive pour les patients dans le fonctionnement même. Et par rapport à la discussion de tout à l'heure, je suis convaincue quand même qu'il faut un cadre très, très clair des missions de chacun, de la façon dont chacun doit intervenir, c'est-à-dire son champ, et puis ses limites. Hein.
tout à l'heure, on interpellait Brine sur bah, finalement, est-ce que tu as des solutions? Je ne sais pas s'il y a une solution, mais en tout cas, il y a des conditions minimales. Et je pense que ça, c'est un jalon, un repère tout à fait important de bien dire bah, voilà quel est le rôle de chacun et voilà jusqu'où vous pouvez. Vous avez le droit de vous exprimer sur tel ou tel sujet et dans telle limite. Et ça pour chacun. Voilà. Quand les règles du jeu sont posées très clairement au départ, c'est un peu plus simple quand même. Ce n'est pas toujours le cas, c'est pour ça que je le dis. Et avant que j'oublie, sur les questions du débat public dont je parlais tout à l'heure, il y a le Conseil de l'Europe qui est en train de finaliser un guide sur la mise en place des débats publics. C'est une réflexion tout à fait intéressante de comparaison entre les différents pays européens, au sens large, puisque c'est le Conseil de l'Europe, avec des niveaux d'organisation de débats publics extrêmement différents et disparates. Mais il y a quand même des points communs et un cadre minimal, effectivement, de ce qui pourrait être... c'est les règles minimales dont je parle d'un bon débat public de qualité. Il n'y a pas de débat parfait, mais voilà. Donc il y a quand même des réflexions qui sont en cours en croisant les regards. Voilà. Il faudrait peut-être qu'on fasse la même chose entre la France et le Québec. Oui, ça pourrait être intéressant. Mais je me dis, une fois qu'on a reconnu ça, quel est le pouvoir d'influence sur les politiques publiques? Parce que si on a ça en place, il faut aussi que ça ait un impact et que cet impact-là se fasse ressentir sur les politiques publiques. Donc, ça prend des mécanismes qui sont légitimés, hein, en quelque sorte, et ce n'est pas toujours le cas. Yann? J'ai l'impression qu'on pose un peu la question ici du processus démocratique, finalement. Comment est-ce qu'on participe à l'évolution de notre société? Je pense que c'est aussi intéressant dans une perspective où il y a quand même certaines, des fois, tendances ou dans certains pays ou dans certains contextes où il y a, un certain délitement là, du processus démocratique avec une perte de confiance dans la démocratie, avec aussi une perte de confiance dans les faits, dans la science. Et que, bien sûr, là, je pense aussi, comme chercheur universitaire, comme citoyen, on est interpellé à agir sur ces facteurs-là pour faire regagner confiance. C'est un peu l'œuf ou la poule, là, mais c'est sûr que la participation à la démocratie, c'est aussi la confiance dans la science, c'est la confiance dans les échanges, c'est la confiance, etc. Donc là, il y a des enjeux quand même qui sont non négligeables, je pense. Alessandre? Ben, Karine, j'interviendrai. Juste pour redonner la confiance, il y a un autre critère à part le cadre très clair, c'est communiquer sur ce qu'on inclut, ce qu'on a entendu, écouté et ce qui est effectivement inclus dans la politique. C'est ce qui s'est sans rentrer dans les positionnements politiques de part et d'autre, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé quand même dans le grand débat, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont ressorties sur les quatre grandes thématiques et il y a des décisions qui ont été prises directement liées. Alors on peut dire il y a un résumé qui est fait avec ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, mais entre les Gilets jaunes et les prises de décision, il y a eu ce grand débat. Et communiquer très clairement sur le débat. Voilà, vous voyez, ça vient directement de vos propositions. Ça a un autre impact que si ça tombe effectivement de façon directe du haut. Mais l'enjeu, je crois qu'on communiquera jamais assez là-dessus. Hein. Il y aura toujours des sceptiques, de toute façon, ça c'est sûr. Mais quand même, si on communique très clairement, on avance, on met des pions en fait. Juste peut-être pour finir sur la question de la gouvernance. Donc, effectivement, ça interpelle la gouvernance à tous les niveaux. Donc, autant la gouvernance de nos institutions au niveau de la santé que nos institutions démocratiques plus larges. Je pense qu'il faut qu'on puisse se poser ces questions-là puis dire, bien, peut-être qu'il faut le retourner, le modèle. Et ça, c'est difficile encore là. C'est toutes les questions de pouvoir. Une fois qu'on a certains pouvoirs, on a de la difficulté à les laisser aller. Mais si on veut penser en termes de... Une des questions, poser la question
de la responsabilité, du partage des responsabilités. Hein? Mais si on veut pouvoir partager les responsabilités, il faut qu'on partage le pouvoir aussi. Donc, je pense que c'est inévitable. Puis, à un moment donné, à ne pas vouloir revoir nos structures, bien, on va arriver à des crises de confiance et de légitimité on va arriver à des points de non-retour. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas, justement, de façon graduelle, en approfondissant toujours, dans le fond, nos mécanismes de participation à tous les niveaux, en les poussant toujours plus loin, en se disant, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut en faire plus? C'est l'idée de multiplier les niveaux. Hein, où est-ce qu'il y a de la participation? Donc, ça peut être au niveau très, très local, comme ça peut être à des niveaux intermédiaires, comme au niveau plus large. Mais l'idée, c'est de multiplier ces interactions-là et entre les différents niveaux aussi, dépendamment des problématiques et des questions. Donc, il faut réussir à trouver des modèles plus dynamiques parce que, je veux dire, vous le savez, vous avez certains d'entre vous ont des enfants ou vous voyez les jeunes aujourd'hui, je veux dire, ils ne répondent pas à l'autorité et à l'exercice du pouvoir de la même façon qu'il y a quelques décennies. Ils veulent prendre leur place, mais il faut donner une place aussi. Donc, je pense que c'est fondamental, cette question-là. Mais bon, on y revient toujours. Mais oui, il faut avoir ce courage-là. Puis si on ne l'a pas, bien, on n'arrivera pas justement à créer des changements qui vont être durables et qui vont être légitimes. La confiance et la légitimité, ce n'est pas quelque chose qui peut se produire. C'est comme ça, c'est vraiment quelque chose qui se crée avec les acteurs, qui se construit avec les acteurs. Donc, ça aussi, ça rentre dans le partage du pouvoir, le pouvoir avec et la responsabilité partagée. On a tous une responsabilité à cet égard-là. On le fait, tu sais, dans nos maisons, mais dans toutes nos organisations à tous les niveaux. Je me tourne vers la salle maintenant, Brine, pour une dernière question. Merci, c'est un commentaire. En fait, je suis à l'âge de la retraite et j'ai vu dans le réseau de la santé beaucoup de réformes. Et à chaque fois que la population concernée est rendue capable, elle a développé sa capacité d'agir dans une certaine démocratie, de faire valoir ses points de vue, ses besoins, mettre en place quelque chose. Une réforme arrive et on a un coup de barre dans les jambes et on passe 2-3 ans à se reconstruire avant d'être capable de contribuer, avant d'être capable de participer à la démocratie. L'enjeu, le défi, là, est-ce que ce ne serait pas de la continuité? Parce qu'on a quand même construit quelque chose de bien avec la participation de beaucoup de monde ici. Et puis, il y a des comités d'usagers partout, il y a le patient partenaire partout. Il est là, on a tous les mécanismes, on a tous les supports normatifs voulus pour avancer. Mais comment on ferait pour, je ne sais pas si c'est la gouvernance, mais comment on ferait pour que la continuité soit assurée quand on passe d'un groupe de pouvoir à un autre? Yann? Un dernier tour de table. Est-ce que tu as une bonne réponse à cette question? Pendant que tu réfléchis. Oui, exact. Peut-être ne pas partir de zéro. Mais c'est une forme de courage aussi de dire, voilà, on ne repart pas de rien. Il y a des choses qui ont été construites par le passé. On valorise ça et on part de là et on construit et on avance. Voilà. Ça veut dire qu'on prend en considération tous les gens qui ont travaillé avant et valoriser apporter de la valeur ajoutée sur ce qui a été produit, ça donne le sentiment d'avancer, de construire pour l'avenir. Mais ça demande une certaine forme de courage parce qu'effectivement, peut-être que parfois, souvent, la tendance pourrait être de dire, bon voilà, allez, on passe à une autre ère, surtout dans le champ politique, on repart de zéro et puis voilà. Mais ça, c'est de l'intelligence collective. Hein? Alison? Oui, bien, effectivement, je pense que je l'avais mentionné aussi précédemment hein, sur l'idée qu'on passe souvent de... Bon, on décentralise un peu, après ça, on recentralise et c'est un peu déstabilisant, effectivement. Je pense que vous avez raison, il faudrait réussir à avoir quelque chose qui est plus stable. Je pense que cette question-là se pose beaucoup aussi dans le champ de l'environnement. Hein, parce qu'on est en train de se dire, ben, peut-être qu'on devrait avoir des instances indépendantes qui sont en train de dire,
bien, voici dans quelle direction on veut et on doit s'en aller, peu importe qui est au pouvoir. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant de penser comme ça des instances, mais... Moi, je pense que ça amène aussi à la question, on a beaucoup parlé de comment donner les outils aux citoyens pour participer, comment les aider dans leur capacitation. Bien, je ramènerais la question à l'autre bout de la pyramide. Peut-être qu'on a besoin de capacitation de nos décideurs publics aussi. Et ça, je pense que c'est peut-être un côté de l'équation qu'on a un petit peu oublié, dans le sens où, oui, ils vont se former, hein, ils vont souvent, ils ont en général des diplômes, des choses comme ça, mais est-ce que, hein, est-ce qu'ils apprennent aussi à exercer le pouvoir de façon différente, justement plus dans une logique de pouvoir partager? Je ne suis pas certaine. On pourrait aller voir ce qui se fait dans les départements de politique, par exemple, ou à l'ENAP, des choses comme ça, voir qu'est-ce qui est enseigné à nos futurs décideurs. Est-ce qu'ils ont des formations quand ils arrivent en poste? Non, ils n'en ont pas à cet égard-là. Donc, oui, il faut capaciter le citoyen, mais nos décideurs aussi pourraient bénéficier d'une certaine capacitation. C'est ma suggestion. Yann, le mot de la fin? Non, pas le mot de la fin, mais juste pour rebondir. Je pense que c'est un très bon point. Et d'ailleurs, en termes de capacité, le décideur, le citoyen peut jouer un rôle important. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. En mettant des plateformes de citoyens scientifiques qui permettent de collecter des données, qui permettent de mieux comprendre l'impact des interventions sur le territoire, ça permet d'alimenter des modèles de simulation sur des choix futurs d'aménagement urbain auxquels les décideurs peuvent avoir accès pour dire, bon, ben, voici ce qu'on devrait faire. Donc, c'est là qu'il y a une participation non négligeable sur le processus de prise de décision à travers la contribution, à travers des données et la participation à la recherche aussi. Eh bien, merci beaucoup à nos panélistes. Hein, je répète, Yann Kersten, Alison Marchildon et Karine Lefeuve, merci beaucoup de cet échange. Merci au public pour vos questions. Bryn? Merci à la modératrice pour bien animer la discussion. Super stimulant. On a eu une audience engagée. J'espère que les gens en ligne qui nous ont suivis à distance vont profiter également de cet événement. C'était pour moi une belle façon de terminer ces trois cafés de bioéthique de 2029. J'étais en train d'écouter, je disais, il y a du matériel en or ici pour la suivi, pour la réutilisation. Ça nous a fait penser à plein de possibilités et de reconnaître la complexité de cette dynamique. On ne peut pas mettre tout le poids sur le pôle de citoyen. On a besoin de voir que l'environnement est important. Comment est-ce qu'on crée des espaces pour y avoir des vrais échanges? Et là, ça nous amène à des places expérientielles, mais aussi de penser à l'humilité, à le partage de responsabilités, d'aider ceux qui ont le pouvoir de lâcher prise un peu cette responsabilité pour que d'autres portent et ils sont engagés dans des changements. Mais ça va être difficile pour tout le monde. Nos panélistes nous ont aidés à réfléchir à des pistes. Donc, pour ça, je vous remercie beaucoup. Oui, exact. Alors, merci à tous et on vous souhaite une belle soirée. Merci.